Première interlude. Thank you.
Souvent, mais qu'on joue très peu. Et voilà. Que j'ai filmé jadis deux fois, mais les films sont perdus. Pour l'instant, il y en a un petit avec mes improvisations qu'on a gardé. Et que j'ai je vais quand même vous informer un peu. Donc, j'ai un texte ici se trouve dans la partition au départ, qui explique un petit peu la genèse de cette œuvre. Je pense que c'est intéressant. Les 16 sonates et 4 interludes pour piano préparés ont été composées entre 46 et 48, 1900 évidemment. Leur dédicataire, la pianiste Maru Ajemian, les a créées partiellement au Town Hall de New York le 14 avril 1946. L'intégrale a été jouée pour la première fois par Maru Ajemian au Carnegie Hall les 12 et 13 janvier 1949. Cage lui-même raconte la genèse du piano préparé. Une étudiante noire, Sylvina Ford,
lui avait demandé à la fin de 1938, alors qu'il enseignait à la Cornish School de Seattle, de composer la musique d'un ballet intitulé Bacchanal, et dont elle se chargerait de régler la chorégraphie. À cette époque, dit Cage, j'écrivais encore pour piano de la musique à 12 sons, donc à la manière de Schubert et de décaphoniste. Et je savais que cela n'irait pas pour Bacchanal, qui était une œuvre primitive, presque barbare. Ma musique pour percussion aurait pu convenir, mais il n'y avait pas assez de place au théâtre pour caser tous les instruments. Je travaillais sans arriver nulle part. On était seulement à 3 jours de la représentation, alors je décidais tout d'un coup que ce qui n'allait pas, ce n'était pas moi, mais mon piano. Je me rappelais que Henry Cowell avait utilisé ses mains à l'intérieur du piano et qu'il avait même glissé un œuf à repriser dans les cordes. Je commençais donc à faire des essais à l'intérieur du piano, moi aussi. J'y disposais des revues, des journaux, des cendriers, des moules à tarte. Tous ces objets paraissaient changer le son comme je le voulais. Ils le rendaient percussif, mais rebondissaient trop dans tous les sens. J'essayais un clou, mais il sautait partout. Alors je réalisais qu'un écrou ou une grande vis installée dans les deux cordes, entre les deux cordes, ou entre deux cordes, pardon, allait mieux. Et cela changeait tous les aspects du son. Très vite, j'obtins toute une nouvelle gamme de sonorités, soit exactement ce dont j'avais besoin. En réalité, le piano était devenu un orchestre à percussion contrôlable par un seul exécutant. À l'origine du piano préparé, c'est presque fini, nous trouvons encore un principe d'économie. Et là, on... à l'inverse de ce qui advient trop souvent lorsqu'on sert, on se sert en Occident d'instruments exotiques, tout gaspillage sonore est, surtout dans les sonates, soigneusement évité. C'est que l'écriture de bruit ne saurait être efficace, c'est-à-dire variée, que si elle est très précisément mesurée. Une seule attaque, dans certains cas, déclenchera toute une gerbe d'éclats de timbre. Il conviendra donc de la laisser seule miroiter. Bien sûr, on peut se contenter de n'apprécier que les sonates, que l'anecdote. Mais il faut éviter de s'hypnotiser sur l'aspect inattendu d'un piano percussion dont la table d'harmonie serait envahie par une végétation insolite et métallisante. Il convient de laisser être elle-même cette musique feutrée, au-delà ou plutôt en deçà du bricolage apparent. On goûtera alors vraiment toute la saveur de la remise en question des notions acoustiques stabilisées peu à peu au cours de l'évolution musicale de l'Occident. Car ce piano préparé devient un instrument capable de donner par l'intermédiaire d'une tablature artisanale des complexes de fréquences. Et la dernière phrase est de Pierre Boulez. Thank you.